C'est par une célébration eucharistique que les filles et fils des Wawata ont démarré la célébration de leur fête identitaire Wawatahui. Une fête autrefois organisée en rang dispersé dans les villages de Wawata Dandi, Wawata Famé, Wawata Fandi, Wawata Zunto et Wawata Todja. Cette première édition de l'Union des fils et des filles des Wawata est le couronnement des efforts des cadres et élus de la région, a précisé le président du comité d'organisation de la fête. Le chef d'arrondissement de Zinvié, Christophe Aïssi, a dit toute sa joie de voir l'Union des Wawata concrétisée. Il a promis de travailler à trouver des solutions aux problèmes de ces localités. Dans les prochains jours, je ferai une séance de travail avec les composantes des différents Wawata pour que nous puissions réfléchir aux réels problèmes de développement des Wawata. Au cours de la fête, un hommage a été rendu à Amadé Moussa, fils de Wawata qui, sur fonds propres, a financé l'électrification de Wawata à hauteur de plus de 35 millions de francs CFA. Hommage rendu également par Victor Adimi, qui a par ailleurs félicité Timothy Roussou, conseiller communal de la commune d'Abomey-Calavi, pour l'initiative de cette fête. Le président Amadé Moussa, moi je l'ai connu dans les années 2007, lors des législatives 2007. On me l'a présenté comme quelqu'un vraiment de très battant. Il a encore, malgré le poids de l'âge, il a encore le cœur au développement de Wawata. Quand on quitte là où on est né, on va ailleurs. Si on trouve de bonnes choses, on amène cela à la maison. Et c'est ça qu'il est en train de faire maintenant. Il est en train de prouver ce matin qu'ensemble avec ses frères, il peut beaucoup pour cette contrée Wawata. Encore une fois, merci. Distingué conseiller communal. Une célébration du Wawatahui bien appréciée par ce natif de Wawata. Il invite les filles et fils à participer aux prochaines éditions. Mes impressions sont très bonnes, hein, parce que c'est une première édition et cette édition a été une réussite. Et vous pouvez vous constater sur le terrain, il y a les fils de Wawata, de tous les Wawata, on est 5 villages. Oui, mais comme c'est une première, les gens n'ont pas cru en ça. Donc je vais les inviter à s'associer. À s'associer à nous et à s'associer au comité d'organisation pour que les éditions prochaines soient plus meilleures que celles-ci. Une collecte de fonds a été organisée pour la réalisation d'une infrastructure de développement afin d'immortaliser cette union retrouvée des Wawata. La somme de 800 000 francs CFA a été collectée pour la circonstance. Après concertation des filles et fils, c'est le village de Wawata Zunto qui accueillera l'édition 2021 de la fête.